Eh ben salut les potes, c'est Roi d'Épée, comment ça va les mecs? Aujourd'hui, on se retrouve sur Mario Kart Wii pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il ne s'agit pas du mode traditionnel que l'on connaît, pas le mode normal. Ici, on est sur le mode Custom Tracks, c'est-à-dire des circuits de Mario Kart Wii construits par d'autres joueurs en plus de ceux qu'on connaît déjà. Ils l'ont fait sûrement pour le fun. Avec voilà. Si vous avez ce mode, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de maps en plus. Et je sais que un de mes amis m'a demandé de faire une vidéo sur une de ces coupes custom. Et je vais le faire aujourd'hui. Je vais pas aller chercher très loin. On va faire la première coupe des Custom Tracks, qui est donc la coupe Bloops, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez le nom des maps inédites, celles que vous ne voyez pas à l'habitude dans la carte Wii, en bas. On va commencer. Et je sais que j'avais déjà fait ces maps il y a un peu de temps de cela, mais ensuite ma Wii l'a bugué et j'ai perdu le mode. Mais j'ai pu les retrouver et je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Bien sûr, je me rappelle pas tout à fait des circuits, tout du moins. Voilà, je suis avec Mario et la moto Dauphine et on commence tout de suite les courses. Les 4 courses de cette coupe. On commence avec ce circuit. Qui m'a l'air assez spécial. Voilà, on partira d'ici. Ça s'appelle donc Super Sky Courtyard. Et ils mettent le compteur de vitesse, ce qu'ils font pas dans le Mario Kart originel. Et ça commence. Vous pouvez voir que c'est des maps totalement différentes de ce qu'on connaît. Avec des routes bien inclinées là comme ça. Mais mon skill reste le même. Il a l'air déjà bien cette nouvelle map. Enfin, il me semblait déjà l'avoir fait un autre jour, mais voilà, donc je m'en souviens pas très bien. Là je sais qu'il y a un super looping très très long. Très long, et contrairement au Mario Kart normal, il n'y a pas 3 tours à tous les circuits. Des fois ça peut être 2 tours seulement, voire même un seul tour, ou même des fois 5 tours. Là on circule au milieu des palmiers et vous pouvez voir qu'il y a des fois des IA complètement bloquées sur la map. Là on passe à travers de l'eau. Là, on roule sur de l'eau. Et le premier tour est fini. Ouais, il me semblait qu'il y avait un IA bloqué. Hop là. En tout cas, ouais. On dirait que les IA sont plus faciles puisque. On dirait qu'ils ont été un petit peu programmés à l'arrache. Ce qui fait que le joueur est nettement avantagé. Hop là, c'est un peu plus mieux. Comme nous l'indique la musique, ce circuit nous fait un petit peu penser aux cascades Yoshi avec notamment Toupo qui coule. Sauf que là, il est nettement plus long et bizarrement, les développeurs ont choisi de garder 3 tours pour la map. Allez, on a failli se prendre notre propre carapace. Voilà, et on peut aussi rouler sur de l'eau, comme dans la cascade Yoshi. Allez, dernier tour.
Alors, ah oui, je vois qu'il y a des IA qui arrêtent pas de tomber au même endroit. C'est plus un peu de la découverte que du réel plaisir, puisque je connais presque aucune des maps. Mais donc vous aurez le plaisir, si vous regardez cette vidéo, de découvrir ces maps qui vous sont totalement inconnues et que vous avez envie de découvrir. Là on a pris pas mal d'avance, ce qui nous permettra de gagner, vraiment. Hop là, là on s'est un peu cogné. Toujours les deux mêmes personnages bloqués sur la map, vous le voyez en bas à droite, c'est Baby Daisy et Peach, alors qu'on va essayer de prendre le temps plein. C'est fait. Il y a toujours mes 4 babines qui sont allumées comme ça, attendant que quelqu'un roule dessus. Une petite carapace. Allez, on passe le dernier virage et c'est gagné. Oh mon dieu, regardez le temps qu'on fait le 11e et le 12e. Un peu trop en retard à mon goût quand même. Voilà, 36 minutes, 30 et 46, 39. Et le 11e a quand même réussi à avoir un point, c'est qu'il s'est finalement sorti de là. Je sais pas au bout de combien de temps il se serait sorti de là si j'avais pris tout le temps de le filmer. Alors la deuxième course, c'est une course rétro, c'est une course de la Game Boy Advance, Ship Ship Island. Et c'est aussi une map qu'on ne retrouve pas sur le classique Mario Kart Wii. Mais il y a la même musique que la plage Koopa Troopa. Et les mêmes crabes chiens qui sont là. Par contre, ouais, le circuit est beaucoup plus grand que sa copie. Et de l'herbe. Et là, contrairement à la plage Koopa Troopa. Non, qu'est-ce que je dis, c'est la plage. Merde, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est plage Mascas, le nom. Et là, ça se courait deux jours. Là, ça se court. Hop là, je viens de sauter. Ça se court au crépuscule ou de l'après-midi. Et là, il y a de gros poissons qui sautent. Que sont les chips. Oh, tiens, une petite carapace rouge qui fonce droit dans ma gueule. Mais j'ai des bananes. Voilà. En plus, il s'est pris ma banane. Voilà, je pars pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'action, mais je vous le dis, c'est plus de la découverte que. Comme je connais pas beaucoup les circuits. Que le Mario Kart original, que je connais très bien les circuits et que je joue depuis presque 10 ans maintenant. Mais voilà, on gère. Ah, il y a un petit raccourci là. Hop là, on va essayer du bâton B. On a failli, mais on n'a pas failli. Les bonnes vieilles habitudes sont de retour. De nouveau, une carapace. Qui me rentre dedans et je crois que c'est Harmony qui a lancé l'éclair puisqu'elle était dernière. Eux ils semblent pas du tout me rattraper, même de fou, même je serais prêt à dire qu'ils en ont pas envie. Voilà, je préfère passer par là parce qu'il y a le boost. Pareil ici, et un deuxième éclair. Et une autre carapace rouge. Bizarrement, ils n'ont pas dessiné le raccourci sur la map, je sais pas pourquoi. Hop là, il y a de l'air, il y a un tremplin.
Et on va passer par là. Voilà, on est très loin devant les autres et on va passer la ligne d'arrivée. Ils font quand même peur ces gros poissons. Ils vous feront faire des cauchemars, à coup sûr. Voilà, ça fait donc une deuxième victoire et on enchaîne avec la course suivante qui s'appelle ASDF course. Je sais toujours pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Car en plus les décors m'ont l'air très simplés. Bon, on va bien voir. Il fait 5 tours ce circuit. Tellement qu'il est petit. Tiens, j'ai de la concurrence. On a des boîtes à objets ici. Et lui va se calmer. Le Bowser 3 prend ça. Il est tout petit ce circuit et il représente rien. Et je viens de tomber comme une merde. Donc il y a 5 tours qui explique le fait que le circuit est si petit. Et il n'y a même pas de détails sur la ligne d'arrivée. C'est pour ça que je me demande que représente ce circuit. Il ressemble à rien, tout simplement. Par contre là, je sais pas si je vais gagner. Là j'ai l'air d'avoir un peu plus de concurrents. Et j'ai encore un objet pourri. Ouais, ils sont tout noirs, ce qui va me permettre de leur passer devant en douce. Et le mur. Non, ça va, là j'ai pris un peu d'avance. Et donc, comme il y a 5 tours, ça s'arrête pas au bout du 3ème et ça nous donne 2 tours supplémentaires. Je vois quelqu'un qui me remonte. Mais elle a combien de billes-balles celle-là? Elle a un tour de retard? Effectivement, elle a un tour de retard. On est donc dans le dernier tour et là j'assure clairement. Il ne manquerait plus qu'une petite carapace bleue pour Chronito. Non, ça devrait être bon, je gagne. Et j'ai bien fait de tomber après la ligne d'arrivée pour éviter d'être baisé. Voilà, donc 3 victoires. C'est-à-dire même si on redécouvre les circuits, c'est pas forcément très pénalisant. On enchaîne donc avec la dernière course de cette coupe custom, Sky Shrine, qui m'a l'air d'être un circuit dans les airs. Ça m'a l'air d'être un circuit dans un temple. Avec une petite bombe pour couronner tout. Comme c'est des trucs un peu custom, ça manque un peu de décor, ça manque un peu de détails. Et les circuits sont un peu trop carrés à mon goût, mais voilà, c'est ceux qui ont décidé de le programmer comme ça. En tout cas, ça se présente bien pour nous et vous voyez des dragons. Voilà. C'est un peu la seule décoration qu'ils ont décidé de mettre, des dragons.
Ils ont mis un peu de... Ouais, ils ont mis des chutes d'eau, comme à la manière du premier circuit de la coupe. Ça fait plutôt joli, des châteaux. Et il y a un tremplin ici. Est-ce que c'est pour faire des figures? Oui. Mais attention à pas tomber, bien sûr. En tout cas, ça se présente bien. Pute de carapace. Bon. Celle-là, je me la prends en plein dans la tête. Toi, tu vas te calmer. Sans commentaire. Il est vite d'un millimètre ma carapace et je me la prends en retour. C'est très sympathique. Bowser lui aussi va se calmer. Bon, ça va, tout le monde prend le mur dans le dernier virage. Dernier tour. Pour profiter une dernière fois de ce circuit. Bon, étant donné qu'il y a beaucoup de coupes custom qui ont été créées par les développeurs, je fais un peu cette vidéo exceptionnellement. Je pense pas faire toutes les coupes custom, étant donné qu'il y a, je crois que comme l'a dit mon pote, il y a 50 coupes custom et je vais pas forcément toutes les faire. Mais si cette vidéo vous plaît et si vous aimez le design des courses, vous pouvez me demander de faire une autre coupe de ce mode. Et je viens de me prendre une carapace bleue, espérant que ça ne me fera pas perdre. Non, ça va, j'ai évité la carapace. Putain, elle est chiante cette carapace. Ça va, Bowser est loin. Le dernier virage et... gagné. Voilà, donc de cette coupe custom, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ben, j'ai gagné toutes les courses. Voilà quoi, et en plus c'est la première fois qu'on fait une vidéo de ce genre. Donc on se débrouille bien, mais je crois que ouais, j'ai déjà fait cette coupe une fois, mais je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça avait pas gardé. Et bizarrement, malgré avoir gagné toutes les courses, je n'ai pas de classe étoile. Ce qui est étonnant, c'est également un bug des programmateurs. Et je gagne la coupe spéciale, quelle que soit la coupe custom que je vais gagner. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu et si vous avez envie de revoir des custom tracks sur ma chaîne, vous n'avez qu'à me le demander dans les commentaires. Bon ben, c'est la fin de cette vidéo sur la coupe Bloop sur Mario Kart Wii Custom Tracks. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Soutenez aussi Playforce. Et à plus !